Yo les potos, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Minecraft. Je vais vous apprendre 5 trucs à faire sur les meubles. Bon, ça je pense que tout le monde sait faire, mais bon, j'avais envie quand même de le faire. Et après, il y aura une deuxième vidéo, c'est 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Minecraft. Si vous entendez 3 voix derrière, c'est normal, il y a Mika, Théo et Coco du 51 avec moi. Mais Coco du 51, elle est à fond dans YouTube là. Eux deux là, les deux garçons, bah ils sont à fond dans Pokémon Go. Donc, hein. Oui Théo, tu t'as bien la honte là. Pas du tout. Surtout moi j'ai pas la honte. Moi je regarde sur le jumper, donc laissez-moi tranquille. Et enfin, j'ai peur en plus, c'est sur Minecraft. Hein. La peur étant. Bon, go, on va lancer. On va commencer. Pourquoi il y a Théo dessus? Bon, ok, on va faire créer un monde. On va marquer Nico Robin YouTube. Hein. Hop, on marque Nico Robin YouTube. Voilà, merde. On va pas mettre survie, on va mettre créatif. Et que je vais vous montrer quelque chose. On peut mettre en difficile ou en abordage, j'en fous. On va plutôt mettre en pacifique, comme ça il y aura pas de bestioles qui vont me faire chier. Bah non, je suis con. Voilà. Plus d'options, je vais mettre privilège d'autres car à un moment donné il faudra que je me mette. Merde. En bordel. Non mais c'est pour essayer ça. Voilà. Allez, on commence le truc. La partie plutôt. Pour le numéro 1, on va commencer déjà par une table. Un truc tout simple hein. Après il y a plusieurs sortes de faire des tables. Après tout dépend le goût que vous avez. Chargement qui dure 3 ans. Voilà. J'essaie de me mettre un endroit plat. Hop. Seb, si tu regardes cette vidéo, je ratisse. Comme sur notre compte sur la PS3. Voilà, bon, c'est fait. Cochon, tu dégages. Donc déjà, je vais me faire spawn déjà une épée pour les bestioles qui me fait chier. Non, c'est pas ici, c'est là. En diamant, voilà. Vous aurez déjà besoin, pour une table, c'est des barrières. N'importe quelle sorte de barrière, à part les barrières, les barreaux en fer. Bah, personnellement, moi j'aime bien tout ce qui est sombre, donc je vais prendre les barrières des nether. Barrière en nether. Ça va dire. Je vais prendre ça. Après, je vais prendre les petits plaques de pression en pierre ou n'importe quelle. Bon, moi personnellement, je vais prendre en plaque d'ambre. Oui. Je sais pas ce que c'est en quelle matière. Plus d'infos. Je sais pas du tout c'est en quoi en matière. Je sais pas du tout. Il faudra bien voir. Après, bah c'est tout pour le moment. Vous avez besoin que ça pour la première table. Cassez-vous les trucs là. Donc vous posez tout simplement votre barrière en fait. Et vraiment faut pas vous mettre derrière car si vous faites ça hop bah il y aura derrière en fait. Vous allez bien sur le bout du bâton quoi. Et vous mettez votre plaque de pression et ça vous fait une table. Regardez, je peux regarder dans tout. Ça vous fait une table. Donc après vous pouvez faire ça tout le long hein. Bon ça fait un peu dégueu après. Car en fait ça fera des espaces cool. En fait. C'est ça le truc. C'est pour ça que vous devez faire une table solo. Bah une seule table quoi. Et après bah c'est bon, vous avez une table. Bon. Bref. Théo j'attends que. Pour le numéro 2, c'est une chaise. Alors pour une chaise, vous avez besoin tout simplement d'un escalier. N'importe lequel escalier que vous voulez. Tant que c'est un escalier quoi. Moi je vais prendre un escalier blanc. Et vous avez besoin de panneaux en fait. Vous savez les panneaux pour écrire bordel chouette. Voilà, vous prenez ça. Et en fait vous mettez votre escalier quoi. Vous prenez le panneau et vous mettez sur le bloc. Après vous marquez ce que vous voulez, moi je marque rien pour le moment. Bien. Hop.
Et voilà, vous avez une chaise. Après, si vous voulez une chaise de bureau, bah vous faites comme ça. Mais là, sauf que vous rajoutez une porte en fait derrière. Moi, je vais prendre une porte simple. Hein. Je vais prendre une porte comme ça. Je vais mettre un thème. C'est pareil, je vois. Attendez, je sais plus comment la mettre. Voilà. Et là, vous avez votre bureau, votre table de bureau. Mais où marche le mieux, c'est avec celle-là. Ça, il me semble que c'est avec celle-là. Mmh. Et ça ouvre vraiment une table de bureau. Bah, une chaise de bureau, une table. Non, mais j'ai rien. Ça fait vraiment une chaise de bureau professionnelle, limite. Donc, ça, c'est stylé. On passe à la suite. Donc, après, vous avez l'armoire. Bon, l'armoire, il me faut un endroit. Donc, je vais mettre bloc de fer, hein, genre. Vous allez vous imaginer que c'est votre mur, hein. Hop. 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 Je vais faire sur deux épaisseurs. J'ai vu qu'on va faire un trou dedans. Ça marche pas. Je vais voir si ici ça marche. Voilà. Ici. Donc vous prenez des... Comment ça s'appelle hein vous prenez des trappes. Ils sont les trappes. J'ai paumé les trappes. Ouh, les trappes. Ah voilà. Vous prenez les trappes, donc n'importe quelle sorte, on s'en fout. Après, vous prenez rien d'autre, je crois, il me semble. En fait, vous faites un trou là, un trou là. On a vu ta main, Théo. Mais alors Et alors, ça fait chier, tu vois. On va mettre comme ça, en fait, et ça va vous faire une petite armoire à vous. Et si vous voulez être plus haut, donc, genre. Moi, c'est. Genre comme ça en fait vous mettez encore une un étage et ça vous fait vraiment une armoire. Mais si vous voulez cacher tout ça vous prenez des bannières. Moi personnellement j'aime bien le noir donc je vais prendre le noir hein, comme je vous l'ai dit. Et en fait vous la mettez. Oups, hop hop. Et bon pour les mettre c'est galère en fait. Là tu peux pas. Là tu peux pas. En fait, limite, tu dois détruire ça, mettre un bloc, mettre la bannière, détruire le bloc. Non, même pas, ça marche pas. Bon, en fait, vous essayez de mettre une bannière du mieux que vous pouvez, mais la plupart du temps, vous faites une étagère de deux trucs, en fait. La plupart du temps, vous faites pas une grande étagère qui fait 3000 mètres. Donc voilà. Je vais aller à un autre endroit, car ici, bah, j'ai pas envie de détruire, j'ai la flemme. Hop, donc du coup, là, on va passer au fauteuil. Bon, le fauteuil, c'est pas le plus compliqué, vous prenez... Vous prenez des escaliers, bon, n'importe lesquels, on s'en fout, hein. Mais faut pas avoir un escalier en brique, car si t'as un escalier en brique, voilà, c'est pas un fauteuil, c'est un engin de torture, tu vois. Tu prends genre un escalier, tu sais, qui a une couleur qu'on voit pas trop, ou un truc comme ça, un escalier en quartz, tu vois. Après, tu peux les faire en grès ou en, comme tu veux, tu vois. Mais le mieux, c'est genre faire remonter toi-même. Bon, personnellement, je vais faire moi-même mes escaliers car j'aime bien avoir mes escaliers à bois. Je vais prendre du violet, tu vois. Hop. Je vais me faire spawn un établi. Hop. Voilà, si vous savez pas c'est quoi le craft. Pourquoi ça ne veut pas? La gueule. T'as fait un métro violet? Oui, tu veux... Attendez, j'ai un petit problème, je crois. Il manque un truc en haut. Ben, ah, d'accord. Non, vous ne pouvez pas faire. Bon, bah, vous faites ce que vous pouvez. Moi, bah, je vous, vous dis d'essayer un peu tout. Bon, pour la peine, je prends cela. Hein. En fait, vous mettez un fauteuil, un truc là. En fait, vous mettez sur le côté. Voilà, ça, là ça vous fait un genre de canapé. En fait, il faudrait détruire celui-là. C'est chier ou son appart là ? Mais il va me faire chier lui. Voilà. Essayez là. Mais il est peut-être plus rien. En fait, là vous avez un sorte de. Il faut arriver à régler peut-être le. Putain, il va me faire chier longtemps en vrai. Vous avez fait une sorte de fauteuil bizarre. Comme on pourrait dire. Merde. Il fait chier lui. Voilà, vous avez votre fauteuil un peu. Bah, le fauteuil est quand même. Faut quand même voir le positif.
c'est quand même un fauteuil. Je vais te mettre comme ça, hop. Coucou. Donc voilà. Après, c'est un fauteuil tout basique, banal, je sais pas comment on dit. Bref, c'est pas grave. On s'en fout. Théo, je t'ai pas proposé, d'accord, ta gueule. Après, bah là, c'est vraiment un fauteuil où vraiment c'est pour toi, chez toi, tu vois. Tu me sens chez toi, tu vois. Et encore, c'est Minecraft, c'est tout est carré, donc c'est pas très. C'est pas très bien, tu vois. C'est des pixels, quoi. Ouais, je veux qu'il bouge, moi. Après, bien sûr, on va passer au canapé. Le canapé, c'est tout simple, en fait, tu fais ça. Tiens. Là, tu le mets en angle. Fils de pute. Tu le mets. Oh, mais. Tu le mets en angle. Après, tu le fais à la longueur que tu veux. Et tu le mets en angle. Il fout de ma gueule, lui. Voilà, tu le mets en angle. Et là, t'as ton canapé. Bon, j'ai rien, c'est sûr. Hop. Et voilà, vous avez votre canapé au calme. Après, vous faites une petite télé devant et c'est bon. Bon, pour la télé, c'est simple. Hein. Vous prenez bloc de charbon, ce qui est plus sombre pour moi. Bloc de quartz. Déjà. Parce que vraiment, j'ai un petit truc moi, qui se met là. Et d'ailleurs, j'avais plus. Non, ça, je peux plus. Bon, après, si vous voulez pas une télé énorme. Après, moi, je ne sais pas faire les petites télé, je galère. Hop. Et après, hop, vous mettez ça. Ça. Regarde, c'est pas le cadre. Je suis foutu. Tiens, mais ça s'en va pas. Oh ! Trompette touche. Merde ! Chiotte ! Attendez. Problème technique. Je vais remettre le jour correctement car là ça commence à partir. Mais oh, mais merde! Pourquoi tu rigoles toi? Voilà, vous avez votre télé! Ah ouais, je vais essayer tout. Et vous vous posez et hop, vous regardez des gens bizarres, enfin des gâteaux bizarres ou je ne sais quoi. Ah non, même pas, c'est des bastons en tout. Ouais, bon, hein. Voilà. Donc là, c'était pour les 5. Les 5 meubles à faire sur Minecraft. Je pense que je vais pas faire une deuxième vidéo. Je vais enchaîner tout de suite avec l'autre. En fait, je vous coupe pas, tu vois. T'as pas changé de vidéo, tu vois. Je te mets direct, tu vois. Hop. Donc pour le premier, il faut que j'aille dans le Nether avec des boules de neige. Je vous explique tout ça juste après. Tant que je fasse mon portail. Attendez, c'est où les boules de neige? Boules de neige. Boules de neige. Alors. C'est lui. Voilà. Tu t'es quand même plus mon emplacement, mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus là. Oula. Je te parlais, mais t'es là-haut. Mais non, mais tout à l'heure, ça a marché direct. Tiens. Bon, je fais un portail tout petit, tout merdique. C'est normal, j'ai pas envie de faire un gros. Hop. Hop là, on y va. Donc, on est go à aller dans. Oula. Oula. Dans l'under. Dans le Nether. Oh putain, je me cours à chaque fois, ça me saoule. Salut petit cochon tout moche. Tu dégage. Donc je vais essayer de vous trouver un petit blaze. C'est mieux trouver comme ça. Voilà. Et je vais me mettre en survie. Et en fait vous verrez que les boules de neige tuent deux fois plus vite en fait les. Bah tu. En fait tu peux. Ça les tue en fait. Vu que c'est de la neige et ils sont en survie. Ouais, sauf que là je suis mort, j'ai aucune protection, j'ai rien. Non. Mais au pire, attendez, je vais vraiment vous montrer direct. Ah merde, je suis en survie. Hop. Je voulais voir l'installer, voir si ça marche en mode normal. Essaye. Parce que si ça marche pas. On mange quoi ce soir? Là, je suis un petit con, parce qu'on est comme. Voilà, il est mort. Donc, c'est en fait, c'est tout simple en fait. À tuer un blaze, tu prends juste des boules de neige. Tu vois, tu montes tout en haut d'une montagne, tu prends de la neige avec une pelle et c'est bon, tu vas au Nether. Et tu butes tout le monde avec des boules de neige.
Moi j'ai que ça. Ta gueule. Attends, je parle au cochon, qu'est-ce qu'il me dit lui? Tu parles à moi, je peux pas mettre plus au cochon. Je parle au cochon, regarde. Il y a un cochon. Tiens, Mais moi j'ai que le wifi. Donc, après on va passer à l'autre truc. Plusieurs trucs toi. J'ai beau. En fait, c'est une sorte de la glace. J'ai que ça moi. Oui, mais moi je suis obligé de l'avoir. La glace, des trappes et un truc pour être. Voilà. Ah bah merci pour la glace. Donc en fait regardez, je vais mettre de la glace ici. En fait vous allez voir que quand je vais courir. Merde. Faut que j'enlève la folle. Attendez, je vais faire un truc super, non? C'est bruyfique. Hop, hop. Qu'est-ce que tu peux mettre de quoi? Hop. Et en fait, quand vous courez sur, sur la neige, vous allez deux fois plus vite que si vous courez normalement. Ça, c'est pour en fait. Voilà. Après vous courez encore deux fois plus vite si vous avez quelque chose au-dessus de votre tête en fait. Ah ouais. Tu fais quoi là en fait? Allez, je vais mettre en survie. Et en fait, vous allez voir qu'on court deux encore plus vite quand il y a un bloc au-dessus. Attendez, j'ai mal spawn le bouton en fait. J'ai mal violé le bouton comme on pourrait dire. Voilà, en fait, vous allez super vite. C'est un truc de ouf, c'est ça en fait. C'est très pratique quand t'as besoin d'aller chez toi et que t'es en mode speed, tu vois. Tu fais ça, c'est bon, t'as 2 secondes chez toi. Et après, vous irez encore deux fois plus vite si vous avez des trappes sur la glace, en fait. Et ta mère, toi, il est tout rien. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que t'as regardé, toi? Tu fais une photo? Parle au cochon. Bon, je vais vous montrer tout ça, là direct, vous allez voir que en fait je vais courir 1000 fois plus vite. Hop, je vais mettre en survie, comme ça je pourrais pas le voler. Hop, et là en fait vous allez encore 1000 fois plus vite. C'est un truc qui est vraiment très bien, oh, ça m'a fait voler de ouf. C'est un truc qui est vraiment très bien, c'est une astuce très bien en fait pour... Il y en a des gens, il y a beaucoup de monde qui connaissent qui connaissent cette astuce, mais... Vraiment, il vaut mieux la voir, vraiment, vraiment la regarder en fait, c'est mieux. Putain, je cours pas là, c'est quoi ce délire? Mais vraiment, c'est. T'as ça devant chez toi, tu dois rentrer en speed et tout, c'est. Voilà, t'es direct chez toi là, et je vole pas, hein, je vous. On peut rendre les. Donc, c'est. C'est une astuce vraiment très pratique pour rentrer chez toi. Et ou faire des bombes si tu veux. Et justement à la fin de cette vidéo il y aura une, comment dire, une vidéo bah c'est pas la vidéo, c'est un truc festif. Pardon. Donc on va passer à l'astuce suivante en fait là.
Moi j'ai dit pardon, ok. Dégueulasse, hein. Grave, pour faire genre. Non mais ils me connaissent en ce moment, ouais. Attendez, je cherche un truc. Voilà. Genre, on va prendre ça. Vous voulez faire une cheminée. C'est pas du granit, non. Non, c'est pas du granit. Qu'est-ce que tu prends? Voilà. Granit. Faites une cheminée, vous êtes dans votre baraque, là, au calme. Elle me fait chier, la fleur, là. Dégage. Toi aussi, dégage. Voilà, t'as une maison à toi. Tu fais ta vie dedans. Tu regardes la télé. Tu fais ce que tu veux, quoi. En fait, tu veux une cheminée. Mais si vous voulez une cheminée et que vous voulez avoir un style bois, je vous déconseille de mettre du bois avant 12 blocs de hauteur. Car sinon, le bois brûle. Donc, hop, on va mettre genre... hop, on va mettre ça là. Oh merde, j'ai pas pris de briquet. Hop, on va déjà l'allumer. Hop, tu fais ça, tu fais ta petite déco à toi, hein. Bon, moi, je sais pas faire les cheminées, perso, donc... Après, vous m'enverrez sur Facebook, vu que vous avez mon Facebook, vu que je vous l'ai donné. Bon, vous avez votre cheminée, quoi, et là, tu veux... Là, tu en mets partout du quartz, tu te dis, ouais, c'est bon, ça va prendre feu et tout. Et en fait, que si tu mets du feu, du bois là, même juste là, oula, il prend feu directement. Et la flamme n'est pas étouffée là-dedans, elle est encore là. Hein. Ça va prendre feu et voilà. Et il faut 12 blocs pour pas que. Il faut 12 blocs de hauteur pour pas que la flamme fasse prendre tout feu. Tout simplement. Oh là, on va mettre le jour car là, sinon vous allez rien voir. Bon. Astuce suivante. Voilà, celui de la vente. Oh, j'ai bugué, mais de ouf en fait. Hop, on va faire un petit arbre bien gentil, tout beau avec des lianes. Tout simplement, car les monstres... Hop. Je fais un arbre à l'arrache. Ouais, je fais un arbre à l'arrache. Pourquoi je fais un arbre... Hop. Voilà, on a un arbre. Ok. Il est moche, je sais. Ah, j'ai une idée. Je sais pourquoi ça veut pas. Hop. Oh merde, j'ai pété la racine. Voilà, à partir d'ici, je peux péter. Hop. Merde. Hop, voilà, j'ai mis déjà une truc de liane. On va mettre une deuxième. Ça marche? Oui. Ça marche? Oui, non. Hop. En fait, tout simplement, vous allez voir que en fait, je vais me mettre en survie. Et par exemple, si je vais mettre des feuilles, du bois, je vais mettre un peu de tout autour de moi. Il me semble que c'est les creepers, mais je ne suis pas sûre que ça fasse ça avec tous les zombies. Genre voilà, imagine, ils étaient dans une jungle, mais immense, et là vous voyez ça. Ça va aller. Et hop. Ouais. Oh putain, je dois te recommencer encore, mais merde. Je suis vraiment con moi. Eh, hey, nique ta mère, toi! Dégage! Oh, mais il fait chier, mon con! Bon, bref, je reprends ce que je disais avant que le mouton m'interrompe. Oh putain, mais je vais galérer combien de temps? C'est bon! Je crois que c'est bon, enfin. Voilà. Je vais me faire spawn un creeper. Il va vouloir m'attaquer, bien sûr. Hop, je vais me mettre en survie. Hop.
Hop là. Oh. Eh, mais il explose pas tout de suite. Mais il est con. Est-ce que c'est car je suis en difficile? Je vais t'en passer, voir. Bien, voilà, il va vouloir me... Merde. Eh, hey, j'ai pas voulu monter à la nuit. Fais chier. Oh, mais merde. Oh, j'en ai marre. Merde, putain. Voilà, on va recommencer le test. Vous inquiétez pas. Oh, un creeper! Qui s'en bat littéralement les couilles de moi. Hop, je suis derrière les lianes. Comme vous voyez, il me fait rien. Il s'en fout totalement. Attendez, je vais essayer de casser ça pour qu'il me voie. Bah, j'ai pas envie qu'il me voie. Et voilà, je suis derrière les lianes. Hop, tu peux? Non, tu peux pas. Donc, en fait, quand vous êtes derrière des lianes, le creeper ne... le... Il s'en bat les couilles, en fait. Hop, et voilà. Hop, et voilà. Hop, et voilà. Retiens-toi, vas-y. Donc voilà, c'était la technique vraiment toute simple pour un creeper. Quand vraiment vous êtes dans la merde de ouf. Ça, c'est YouTube. Hein? J'allais dire, je pense que ma petite localisation. Je fais quoi? Je fais pas quoi? Théo, j'ai pas compris ce que t'as dit. Oh là là. Donc là, on était à la quatrième astuce. Le creeper ne peut rien vous faire quand vous êtes derrière des lianes. Et la dernière astuce, c'est même pas une astuce, c'est un kiff. Le numéro 5, c'est faire une bombe de poulet. Vous allez voir, je vais vraiment faire une bombe de poulet. Donc vous prenez les œufs de poulet. So, pouletto. Ah. Voilà, pouletto est là. Vous prenez, vous voyez votre cube? Bah, attendez, je vais mettre le plus haut. Encore, hop. Ça fait une bombe. Tu vas voir, il y aura plein de poulets par terre après. Bon, pour le moment, moi je ne peux plus en mettre, je sais même pas pourquoi. T'as mis beaucoup là? Ouais. Et surtout, ça, en fait, vu qu'ils ne peuvent pas voler, sinon ils tombent, tu vois, ils sont tous là. Attendez, ouais, j'en ai marre. En fait, à chaque fois, je peux pas. Paramètres, interpréter les valeurs, normalement. Approuvé. Bon, je ne sais pas, et en fait, regardez, je peux en mettre là? Non. Bon, je vais attendre que le truc disparaisse, et en fait, je vais casser le bloc, et je vais me dépêcher d'aller en bas, et ça va faire bombe de poulet. Donc, voilà. Regardez. Ah, j'allais dire, sur les poulets. Allez, 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 tombe, 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 tombe. Bon, bien sûr, c'est long à tomber, hein. C'est quand même des poulets. Oh, on dirait une jupe quoi. Elle a une jupe. Et là. De ma gueule. Deux. Ça n'a pas fait la bombe de pouletto. Ok, bon, on va faire une bombe de vache.
faire une bombe de poule de bord d'échelle. De cochon. De cochon. Hop. Vous cassez tous les blocs de merde. Vous remontez à la surface. Hop, vous levez la tête. Merde. Oh mais plein de cochons. Mais non, ils se suicident. Vous êtes complètement con. Oh bah ils meurent tous. Oh bah système de plus pour faire de la bouffe. Vu qu'ils meurent tous, bah vous faites ça à l'infini. En fait, vous avez de la bouffe à l'infini. Ah c'est bon, non j'ai réussi. Tu mets là. Oh c'est bon. Tu vous bougez pas. Si tu bouges, je te bute. Bon, je vais attendre que ça disparaisse. Je vais remettre le jour vite fait. Hop. Il tombe pas, c'est pas une bombe. Attends. Allez, disparaît le truc. Voilà. Tu vas pas toutes les tuer, ils vont tous se bouffer la gueule. Normalement, c'est pas censé faire ça. Normalement, c'est censé faire un truc de ouf. Mais ça marche pas. Qu'est-ce que t'as à toi, me regarder? Oh, tous les petits. Laisse les poussins tranquilles, toi. Non. Ah non, j'ai encore une meilleure idée. Non, elle va les tuer. Non. Ah bah ils sont tous cramés à vif. Barrez-vous. Même Ted. Barrez-vous les bestioles. Crame. T'as mal hein. T'as mal hein. Tu tues les petits. Bah ouais. La crière. Regarde, je peux aussi le faire avec des enceaux. Wow. T'as pas le temps. Sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous. Barre-toi pour un petit chat. Barre-toi. Yeah. Non, barre-vous. C'est bien, barre-toi, petit. Bah pour la peine, c'est Pouletto qui prendra. T'as fait quoi en fait, les amis? Bah, les buts. C'est une méchante. Portrière. Ah, tu les chats. Barrez-vous les chatons. Elle est méchante. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est méchant. Hein? Mourir! Les pauvres bêtes! Ma bête, surtout, t'as trop regardé Aline, toi! T'es méchante! Oh, je suis gentil, je l'enlève! Pour récupérer ce qu'il y a en dessous! Tu l'as tué! Bah, non, mais! Bah, non! Regarde, on va même le faire avec un petit loup. Je veux dire, c'est... Des champignons. Des ours polaires. Des villageois. Des lapins. Ouais, les villageois, je m'en fous. Bah il crève déjà tout seul, genre. Oui. C'est trop l'air. On se l'eau. Ah, bougez, j'ai plus de place. Il y a petit. Ouais, surtout les deux morts, ça fait plus de place. Des lapins. Bah, il les bouffe. Bah tant mieux. De toute façon, il va pas les bouffer longtemps.
Mais non, mais je m'en fous de faire du trafic avec toi. Je m'en fous de ta crève. Regarde. Pas une méchance. Ah, je suis la maître. Fera des crimes plus tard. Ouais. Et en prison pour meurtre de poulet. Hop. Tu vois, il y a plein de lave là. Les Oslo, ils vont aller où? Voilà mon carnage. Oh, j'ai une putain d'idée. Pouletto, t'es encore ici? Non, Pouletto est plus là. Attends. Faut que je recherche Pouletto. Hop. Vu que Pouletto prend du temps à mourir. Il prendra moins de temps là. Vu qu'il va tomber dans la lave. Hop. Hop, je vais récupérer mon seau de lave et je vais agrandir le trou. Oh, quand c'est sûr, certains ils meurent. Voilà, bon bah les amis, pour la fin de la vidéo, on tue des poulets. Pour KFC. C'est gentil. Et si je dégage la mer? Si je dégage la mer. Oh! J'ai réussi à faire la bombe de poulet! J'ai réussi à faire la bombe de poulet, toi! Ouais, ils sont tous morts. Non, pas tous. Ah, vas-y, j'ai envie de la refaire. Désolé les amis, si je vous fais perdre de temps là, rien faire. Regardez. Une débile mentale. Mais c'est tellement marrant. En fait, faut juste dégager la mer en même moment, en fait. Oh, t'inquiète pas, tu vas souffrir. Avez-vous déjà remarqué que sur ces blocs-là, il y a le Wither. Et sur certains blocs, il y a le Creeper. Regardez, il y a le Wither, trois têtes. Poulet. La mer, tu dégages-tu là? Ah, tu peux rien faire, ok. Je peux lui faire spawn de la lèvre sur la tête. T'as de la chance que je peux pas. Bon, les potos. J'espère que vous êtes prêts. Explosion de paix. Tu vas trop vite. Ok, bon c'était nul. Bon voilà les potos, c'était pour une petite vidéo comme ça, pour faire plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, ou au moins, bah, au moins une chose. Si ça t'a plu, mets un petit j'aime ou abonne-toi pour plus de vidéos. Si tu veux des vidéos spéciales ou autres, mets ça dans les commentaires. Et n'hésite pas à partager avec tes amis pour qu'ils découvrent le délire que tu te tapes quand tu regardes mes vidéos. Allez, ciao les potos.